Donc, cette semaine, j'aimerais ça parler de comment est-ce que je fais pour programmer. Moi, j'aime bien utiliser des tableaux. J'en ai un petit peu partout. Vous pouvez voir de l'autre bord aussi. J'en ai un qui est quelque part au sol ici aussi. Fait que j'ai tout le temps bien des tableaux, puis ça me permet d'écrire des choses. Fait qu'exemple, sur celui-ci, j'ai nos cycles de force en ce moment avec les mouvements qu'on veut travailler. Sur celui-là, j'ai la semaine prochaine. Donc, première journée, deuxième journée, troisième journée, quatrième, cinquième. Puis, là-bas, j'ai des grands principes que je veux un peu plus à long terme. Fait que j'ai mon micro-cycle, puis le cycle, justement, avec le cycle en cours. J'ai un petit peu mon macro-cycle, mais sur, exemple, 2, 3 mois. Puis après ça, j'ai mes objectifs de l'année pour la programmation. Après ça, bien honnêtement, il n'y a pas de façon magique de mieux programmer. À mon humble avis, il n'y a pas de programmation qui est meilleure l'une que l'autre. Il faut juste qu'elle soit adaptée à la personne. Puis qu'est-ce que ça veut dire adaptée? Pas tant que ça soit juste écrit pour une personne, mais que ça soit adapté par rapport aux objectifs de la personne. Puis que ce soit surtout, surtout les bons poids, les bons temps. Donc, connaître les stimuli. C'est les stimuli qu'on veut adapter. Donc, si je vous donne un exemple d'un workout qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, AMRAP 22 minutes de 8 hang clean and jerk à 1 dumbbell, 50, 35 livres, 12 burpees over the dumbbell et puis 16 toes to bar. L'objectif, ça va être d'être capable de bouger avec des toutes petites pauses. C'est sûr que les 16 toes to bar, à un moment donné, il va falloir les breaker. C'est sûr que les burpees vont ralentir un petit peu, mais les burpees et les hang clean and jerk devraient tout le temps être unbroken à un rythme qu'on tient. Le seul break qu'il y a, c'est les toes to bar. Fait que si pour quelqu'un, les hang clean sont trop lourds, adapter la programmation, c'est pas de changer le workout. Ça va être justement de modifier le poids pour que ça puisse lui permettre d'avoir le stimuli du jour. Fait que quand je programme, c'est toutes ces choses-là auxquelles je pense. N'hésitez pas si vous avez des questions. Let's go! Bon, c'est le retour sur le droit chemin. Donc, moi, ce que je fais, à chaque janvier, je fais Let's go. un défi ou appelez ça comme retourner sur la track un peu plus pour la nutrition. Régulièrement, j'ai fait pas de sucre. Là, à partir du 10 janvier, je vais recommencer à calculer ce que je mange avec potentiellement, pas potentiellement, mais avec les outils de zone, sauf que je ne ferai pas Trois, zone exactement. deux, Je vous en parlerai un petit peu un. plus à partir de lundi, c'est là que je commence. Donc là, samedi, dimanche, que je fais, première chose, c'est je change au niveau qualité. Donc, j'ai déjeuné avec des œufs, par exemple, plus rien de transformé, limiter énormément l'apport de sucre, voire l'éliminer au complet. Et recommencer à avoir des horaires stables. Donc, c'est bien important quand je recommence, c'est je me donne une petite heure d'aller, là. J'y vais pas comme gros cheat, puis après ça, pow, on est 100% clean. Ça, c'est moi. C'est comme ça que j'aime fonctionner. Fait que je fais un petit taper pour rembarquer sur le droit chemin. Puis, mon objectif, c'est quoi? Bien sûr, c'est le open. Fait que let's go.